Grosse affiche cet après-midi au stade Roger Lebert. Les féminines de l'OM accueillent les filles du Paris Saint-Germain. Plus de 550 supporters olympiens sont présents pour l'événement. Après une période d'adaptation délicate en première division, les joueuses de Christophe Parra ont progressivement redressé la tête et pointent aujourd'hui à la 4e place du classement, derrière Lyon, Paris et Montpellier. Une belle performance, au-delà des espérances des fidèles à cette D1 féminine. Le maintien, j'y croyais, parce que bon, pour les suivre depuis quelques années, je connais quelques-unes. Le maintien, oui, mais aussi haut, peut-être pas. Aussi haut, aussi vite, peut-être pas. Quatrième, bon, il y a Lyon, le PSG, Juvisy qui sont au-dessus. Mais après, on tient la route. On tient la route et on peut les battre aujourd'hui. Oh, tu dirais que ça sent bon, hein, Bruno, je te le dis. Hein. Bon résultat, c'est quoi cet après-midi? J'espère 1-0, j'espère, mais ça va être dur. Je sais pas trop, terrain, petit terrain, synthétique, ça peut jouer pour nous. Bon, on espère quand même une victoire, mais bon, ça va être compliqué quand même. Ça risque effectivement d'être compliqué pour les Olympiennes face aux secondes du championnat, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Au match aller, l'OM avait bien résisté avant de s'incliner 1-0. Du côté des tribunes, si certains habitués sont persuadés que leur équipe peut rivaliser, d'autres sont tout simplement venus découvrir ce football féminin made in Marseille. J'ai pas eu l'occasion de venir avant, je voulais pourtant parce que j'adore le sport féminin. Dans ma ville, c'est pas toujours facile. Alors on le voit, c'est quand même un classico, on n'a pas un stade encore à la hauteur en espérant que ça évolue. Et en tout cas, je suis très content de découvrir cette ambiance cet après-midi en direct au stade. Et puis après un quart d'heure de jeu, comme au match aller, les filles résistent bien contre ces Parisiennes. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est un match fermé sans trop d'occasion, mais quand on sait d'où vient l'OM et l'écart entre les deux équipes, on tient bien, on tient le résultat. C'est un beau match pour l'instant et en espérant que ça continue, si on peut prendre ne serait-ce qu'un point, ça serait magnifique, mais on espère ici toute la victoire. Là, elle résiste bien, ça joue bien défensivement. Malheureusement, bon, de temps en temps, sur les contre-attaques, on manque un petit peu de justesse dans les passes. Mais bon, pour l'instant, c'est agréable à suivre aussi. Ce sont des matchs qui sont sans violence particulière. Donc c'est un joli football. Et elles surprennent, hein, ces filles. On ne les attendait pas en haut du tableau de cette Ligue 1. C'est ce que je me disais au départ. Dès le début du championnat où elles ont dû jouer contre les meilleures équipes et puis tous les matchs, cinq matchs à l'extérieur. Donc je me posais la question et je me disais c'est pas possible, c'est fait exprès. Mais bon, depuis elles se sont bien reprises et je pense qu'elles vont se maintenir facilement en division 1. Pour après, bon, peut-être se mesurer un peu plus facilement avec le Paris Saint-Germain, Lyon et Montpellier. Là, son quatrième, c'est bien. 0-0 au terme de 45 minutes, une première satisfaction dans le camp marseillais. Tout reste possible dans cette OM-PSG, c'est le sentiment de Jean-Pierre, le papa de notre capitaine, Caroline Pizzala. C'était le but de l'entraîneur d'arriver 0-0 à la pause. On est dominé, c'était prévu et je pense qu'on a la plus belle occasion du match, à un quart d'heure avant la mi-temps. Là. Contre Paris, on arrive à les tenir sur trois mi-temps pour l'instant. Espérons que la quatrième mette peut-être ce petit but qui nous fera faire une belle victoire. Bon, c'est quoi? C'est la rivalité? Les filles en veulent plus contre Paris? Je ne sais pas, bon, ça n'a rien à voir avec les garçons. Déjà, vous le voyez sur le terrain, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de mauvais coups. Et même dans les tribunes, c'est bon enfant. Quoi. Bon, comment vous voyez finir ce match-là? Ben, il faut tenir le premier quart d'heure, je pense. Et pourquoi pas arracher une victoire sur la fin. Au bout d'une heure de jeu contre ces Parisiennes, c'est plutôt bon signe. C'est bon signe pour nous. Aller à la maison, même si on fait match nul, c'est pas mal déjà. Si on peut essayer de prendre les trois points, c'est bien.
Et on peut le faire, hein, parce que franchement, elle souffre un peu avec nous quand même. Tant que les Parisiennes vont peut-être douter d'ici la fin du match. Je pense. Je pense qu'elles commencent à douter. Donc j'espère qu'il y aura les trois points à la clé. Et voilà. Une victoire contre Paris, ça fait du bien à l'OM en général. Voilà, vous avez tout dit, vous avez tout résumé, voilà. Donc c'est le match qu'il ne faut pas perdre, quoi. Voilà. Attendez pour les féminines, 1-0 pour l'OM contre Paris, ça fait plaisir. Hein. Énormément plaisir, on ne s'attendait surtout pas puisque le match était dans un rythme assez lent, mais ce but fait vraiment du bien et quel bonheur. Un beau contre, une belle frappe. Ah, c'est ce qu'il fallait, elle a fait le geste parfait, c'est dedans et maintenant il faut attendre un peu et qu'on gagne ce match. Justement, il va y avoir sans doute la pression parisienne sur les dernières minutes. Évidemment, depuis le début du match, elle presse. Défensivement, elles tiennent le coup, ça va être dur de tenir, il reste un petit peu de temps, mais si on peut en mettre un deuxième, c'est encore mieux, mais 1-0, c'est parfait. Ça fait du bien de voir l'OM mener contre Paris en général. Bien sûr, il y a quelques semaines, on s'est pris une claque au Vélodrome, et là, ça fait du bien un peu parce qu'elle nous redresse le blason de l'OM, et c'est un grand honneur, bravo à elle. Elles ont bien résisté pendant tout le match, et puis elles ont mis le but quand il fallait. Oui, et ils l'ont mis quand il fallait, mais surtout... Ils ont bien joué, les dernières actions, les Parisiennes, je trouve qu'ils ont fait une grosse erreur. Voilà. Alors il va falloir tenir parce que c'est pas encore fini. Oui, il faudra bien jouer la défense et... Marquer un deuxième. À 0 maintenant, on pense que la victoire est possible. Oui, mais bon, maintenant il faut se méfier. On a vu des remontées plus spectaculaires, mais là, elles sont bien parties. Elles tombent en plus sur une bonne gardienne marseillaise. Et puis de beaux buts des filles. Donc voilà, j'espère qu'elles vont tenir surtout. Le stade Roger Lebert exulte au coup de sifflet final. L'OM s'impose 2-0 contre le PSG. Non seulement l'équipe de Christophe Parra réalise un authentique exploit pour leur première saison en D1, mais elle redore également le blason olympien 3 semaines après une sévère défaite contre Paris au Vélodrome. Bravo nos championnes, franchement super match. Elles ont bien déjoué le jeu des Parisiennes et grand match du gardien également du numéro 10 qui a fait une superbe entrée et 2-0, elles n'ont pas reculé, elles sont allées de l'avant et clairement on a assisté à un super match. Elles ont vengé les garçons, elles ont vengé l'OM, elles ont redoré le blason et c'est super, c'est une fierté et il y a de l'avenir et l'année prochaine il faudra aller les titiller pour le titre. 2-0, franchement. Avec la manière. Hein. Avec la manière, bien sûr, on leur a rentré dedans, on les a accrochés, ils sont rentrés dans le doute et voilà, dans la victoire, 2-0. Voilà, c'est pas beau ça?